Bonjour tout le monde! Alors, hop, on ouvre tout ça. Allez, je baisse mon son aussi. Hop, désolé pour la mise en place. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Hop, n'hésitez pas à me dire comment ça va aujourd'hui. Salut, alors, qui on a dans le chat? Salut Sculus, Scluse. Salut Johan, salut Démentor, salut Oxygène, salut Shin, salut Omagoma. Ok, il y a du monde qui arrive, c'est cool. Salut Rudy, salut Agraf, salut. Alors, j'ai des pseudos qui s'affichent en violet sur fond bleu sombre. Ça, c'est pas super, super lisible. Hop. Salut Luc Chaotique. Alors. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on va faire un petit peu de dessin et de design surtout. On va faire du dessin de visage pour le coup. Donc, si vous kiffez dessiner des personnages, si vous kiffez dessiner des visages, bah, c'est le jour pour bosser ça. Le petit pitch habituel sur ce qu'on fait ici. Donc, l'artiste autodidacte, c'est une plateforme d'apprentissage du dessin. Donc, si vous ne connaissez pas, bah, je vous conseille d'aller voir le site qui est marqué en bas là, de la vidéo. Donc, artisteautodidacte.com. C'est un site où je donne les bases du dessin et surtout du dessin qui est du dessin narratif, donc à destination des gens qui veulent faire du concept art, de la BD, du dessin animé, de l'illustration. Surtout ça. Après, ceux qui on peut trouver vous pouvez trouver des conseils pour du dessin d'observation, etc. Des trucs plus beaux-arts, mais c'est pas vraiment mon créneau globalement. Et c'est du dessin qui va être dessin traditionnel ou en numérique et peinture numérique uniquement. Je connais pas trop tout ce qui va être aquarelle, acrylique, peinture à l'huile, etc., etc. La mise en couleur en tradi, c'est pas particulièrement mon domaine. Et donc j'ai une spécialité, juste moi, donc moi je suis Richard Vatinel, je suis spécialisé plutôt dans le chara-design globalement et l'illustration de personnages. Même si bah, j'ai des bases dans d'autres domaines du dessin. Voilà, donc ça c'est pour l'artiste autodidacte. Et ce qu'on fait là aujourd'hui, donc c'est un atelier donc, qui a lieu toutes les 2 semaines à peu près, à part pendant les vacances scolaires, où on dessine ensemble en gros. Donc pendant 1 heure, là on va dessiner ensemble. Après, tout le monde va poster sur Discord. D'ailleurs, je vais mettre le lien de Discord là, le lien du Discord dans le chat, pour ceux qui ne seraient pas déjà dessus. Et donc à la fin de l'heure, bah, tout le monde poste son boulot sur Discord. Il me semble qu'il manque un slash ou un point là. Façon que le lien est pas bon. Je vais regarder ça tout de suite. Essayer de cliquer dessus, voir ce que ça donne. Normalement, ça doit être à peu près ça, mais c'est possible qu'il y ait un bug dans la copie. Tac, il me semble qu'il devrait y avoir un slash. Ouais, c'est ça. Il y a un slash après le GG normalement. Hop. Voilà. La copie n'avait pas été bonne. Donc tout le monde poste sur Discord et je fais des retours à ceux qui ont posté. En priorité à ceux qui sont abonnés sur le site. Donc ceux qui sont abonnés sur le site, ils ont normalement un pseudo jaune sur le Discord. Si c'est pas le cas, vous pouvez venir me voir en MP, en message privé, pour me dire voilà avec quel mail vous êtes inscrit sur le site et je vous passerai en abonné sur le Discord. Ça vous donne accès à une partie spéciale du Discord où vous pouvez poster votre. Vous pouvez poster votre boulot, le boulot que vous avez fait sur les cours pendant le mois, et à la fin du mois, je fais une review, c'est pareil, je reviens sur les dessins de chacun, et je donne des conseils pour progresser. Voilà, donc ça c'est pour ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui spécifiquement, donc on va dessiner des personnages. Là, j'ai pris quelques photos du site qui s'appelle, enfin, d'un blog, enfin, pas d'un blog, d'un Instagram, qui s'appelle Earth is World. Hop, je vous le note. Oula. C'est pas des lignes que je veux faire. Hop. Tac. Hop, donc c'est une fille qui s'appelle Earth qui prend photo des gens aux États-Unis. Je crois que c'est quasiment qu'aux États-Unis. Et qui a pas mal de photos intéressantes. Donc là j'ai fait une petite sélection et j'ai pris des visages qui sont assez différents les uns des autres. L'idée c'est de travailler le design de visage, donc c'est de créer des personnages à partir des personnes qu'on va voir. Donc pour ceux qui sont le moins à l'aise avec le dessin d'imagination, vous pouvez faire juste de la copie, juste de l'observation pure,
si vous voulez juste vous familiariser avec les formes du visage. Après, pour ceux qui sont un peu plus à l'aise, l'idée c'est vraiment de designer, donc de pousser un peu les formes. C'est un peu de la caricature, mais pas que. C'est surtout capturer l'essence de la personne pour en faire un personnage. C'est pas forcément super important que ça ressemble totalement à la personne. Il faut pas forcément que un de ses amis puisse se dire, ah bah oui, tiens, c'est machin. Mais par contre, il faut que ça soit un personnage qui soit cool, en fait, qu'il y ait une personnalité derrière. Donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Hop. Je vais changer de brosse. Moi, là, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, là, pour me donner une petite contrainte supplémentaire, c'est d'utiliser une brosse assez fine comme celle-là, là. Et ce qui fait que quoi, si je veux faire des lignes plus épaisses, il va falloir que je repasse plusieurs fois, ça va me faire un trait qui est un trait qu'on recherche pas trop d'habitude, qui va être un trait un peu poilu. Mais je me dis que je veux avoir une ligne un peu dynamique comme ça. Donc je vais essayer de faire ce genre de choses. Après, vous voilà, vous pouvez vous mettre des contraintes supplémentaires si vous avez envie, vous n'êtes pas obligé. C'est vous qui voyez. L'idée aussi des ateliers, c'est de faire un petit peu ce qu'on a envie de faire et de travailler ce qu'on a envie de travailler. Le but, c'est toujours de progresser, en fait, c'est surtout ça. Là, je viens de voir aussi que là, il y avait une petite erreur. Tic, 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 dans. Hop. Ouais, non, c'est bon, en fait. Donc c'est un mardi sur deux, comme c'est écrit en haut à droite, là, de 14h à 15h30. Après, des fois, ça déborde un peu de 15h30, des fois, ça s'arrête un petit peu avant 15h30. Ça dépend un petit peu des questions qui me sont posées. Parce que bah, l'idée aussi, c'est que vous pouvez me poser toutes les questions qui vous viennent sur le monde de l'art, sur le milieu professionnel, sur des problèmes de dessin que vous pouvez avoir, sur des problèmes de design que vous pouvez avoir, des problèmes de peinture que vous pouvez avoir. Sur moi, enfin, voilà, sur ce que vous voulez, toutes les questions auxquelles je peux répondre, du moins. Si je peux pas répondre, bah, je vous dirai que je peux pas répondre. Mais sinon, voilà, vous pouvez me demander ce que vous voulez. Essayez de mettre en gros question, deux points avant votre question, comme ça je peux la voir facilement dans le chat. Et après, bah, si vous voulez discuter avec tout le monde ou commenter ce que je raconte dans le chat, il n'y a pas de problème aussi. Tant que je vois bien les questions, il n'y a pas de problème en fait. Donc j'essaierai de répondre aux questions principalement aux pauses. Donc là, il y aura une pause au bout de 25 minutes de dessin. Et après, il y aura une pause, la pause finale, du coup, après 25 autres minutes de dessin. On va dessiner en tout 50 minutes. Et puis voilà, je répondrai à toutes les questions après. Et je ferai des retours sur ceux qu'auront posté, en tout cas pour la plupart. Voilà, je sais pas si vous entendez la musique ou pas. Ou si elle est, si je l'ai trop baissée. Vous me direz, parce que je sais qu'il y a un petit décalage quand même entre ce que je dis et le chat. Je pense qu'on doit l'entendre vaguement, la musique. Peut-être monter un tout petit peu. Eh ben de rien, RScart. Ou RScart. Qui me dit donc merci énormément pour ton travail. Bah de rien, ouais, c'est. Ça fait toujours plaisir de partager. L'idée, c'est aussi de pouvoir partager avec vous en même temps que. Enfin, voilà, une fois par. Deux fois par mois, en gros. Et je vous parlerai aussi un petit peu de ce qui va advenir pour l'artiste autodidacte dans les mois à venir. Là, je pense que, bah, il y aura surtout des surprises en janvier, en fait. Donc, je vais peut-être pas trop en révéler maintenant. Alors, Luc Chaotique, est-ce qu'on peut s'exercer plus tard? Je suis pas chez moi actuellement. Oui, bien sûr, en fait, c'est restreamé après, en fait. Et sur la chaîne YouTube, vous pouvez retrouver tous les anciens streams, tous les anciens ateliers qui sont dans la partie live ou direct, je crois. Ça va être un truc comme ça. J'ai dû partir, j'ai raté quelque chose. Non, t'as rien raté de spécial, je pense. Et vous entendez à peine la musique. Ok, bon, de toute façon, faut pas l'entendre trop non plus. Je pense que là, ça doit être à peu près un volume correct. Mais oui, il n'y a pas de souci pour le faire en décalé. Il y a même des gens qui le font en décalé, qui le postent sur le Discord. Enfin voilà, c'est assez cool de voir qu'il y a d'autres gens qui participent par la suite. Alors, on va partir. Donc là, le logiciel que j'utilise, ça s'appelle GestureDrawing point d'exclamation, comme vous voyez là. C'est un petit logiciel payant, mais qui permet donc de mettre des images avec un certain timing. Donc là, j'ai créé une session custom. On va avoir 5 dessins en 5 minutes, là pour la première session de 25 minutes. Et après, on va avoir dans la deuxième session un dessin, enfin une image qui va durer 10 minutes et une qui va durer 15 minutes. Donc au début, là, on fait des personnages assez rapides en 5 minutes, on essaie de les designer, et après, on fera des designs un petit peu plus longs en 10 et 15 minutes. On va voir ce que ça donne du coup. Allez, on va y aller. 3, 2, préparez bien vos outils. 3, 2, 1, c'est parti pour 5 minutes avec ce charmant personnage.
Donc là, comme je disais, l'idée, c'est vraiment de designer les formes, pas de faire de la copie à la base. Après, comme je disais, si vous avez vraiment plus de difficultés, vous pouvez faire de la copie. Je pense que c'est plus formateur là de essayer de styliser. Mais si vous avez, ouais, si vous vous sentez vraiment pas à l'aise avec ça, ben allez-y. Allez-y tranquille, ça peut être un moment pour essayer aussi de manière un peu sécure. Hein, je veux dire, on est même si on rate ici, il n'y a pas vraiment de conséquences. Hein. Là, je prends des pauses quand même qui prennent un peu de temps. On peut faire des dessins beaucoup plus rapides hein, que 5 minutes. Mais là, vu que c'est du design et que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui soient vraiment à l'aise avec le design, du coup, je mets pas mal de temps. Ça permet de vraiment se concentrer sur les formes, de regarder un petit peu comment. Comment le perso fonctionne. Et ça peut être intéressant, surtout sur les poses plus longues, de redessiner plusieurs fois les personnes en fait. Vous pouvez même aller jusqu'à mettre de la couleur quand on sera sur le 15 minutes. Là, vous pourrez mettre de la couleur aussi, si ça fait partie de ce que vous trouvez intéressant chez la personne. Ah, j'espère que vous entendez pas trop les tondeuses autour de chez moi là. Je sais pas pourquoi les agents de la ville décident de tondre en règle générale quand je suis en stream. Ou quand j'essaie d'enregistrer une vidéo hein, pour le coup. Donc voilà, donc lui là, j'ai à peu près ce que je voulais pour le personnage en 3 minutes là. Du coup, je me dis que je vais le refaire, tester une autre version à côté. Donc. Une version plus simple. D'OBS qui me disait que ça avait déconnecté. Ça va être revenu. J'ai l'impression que ça va être un peu le stream de l'enfer.
Il y a le son de la tondeuse qui est bien à fond dans mes oreilles là. J'espère que la déconnexion n'a pas duré trop longtemps chez vous. Ça vient pas de chez toi. Oxygène, c'est vraiment ultra, ultra relou. Le problème, c'est que j'ai pas un grand contrôle sur bah, quand est-ce qu'ils se mettent à tondre, quoi. Et on n'est pas prévenu particulièrement à l'avance non plus. Sinon, je ferai pas des streams à ce moment-là parce que c'est un peu galère. Désolé pour. Exporter ce son affreux là. Ouais, je vais faire ça, pas bête, je vais monter un peu le son. Je vais baisser mon son à moi d'ailleurs.
Salut Charles. Ah, désolé, là, je parle pas trop parce qu'en fait il y a des tondeurs fous là qui sont à côté de chez moi. Du coup, je baisse un peu mon son pour pas trop vous coller du son de tondeuse dans les oreilles. Je pense qu'ils vont s'arrêter au bout d'un moment et je pourrais reprendre un peu plus sereinement. À toute. Donc n'hésitez pas à poser vos questions aussi en attendant, hein, comme ça j'aurai du stock pour discuter quand on sera à la pause là. Thank you.
coup, j'ai l'impression que la tondeuse a enfin fini son bazar. Donc je remets un petit peu le toc. Le son, voilà. Toc. Alors j'ai vu qu'il y avait une question, je vais y répondre après là. Toc. Le temps de finir, là il reste, là on a fait 1, 2, 3, 4, donc après il en reste un cinquième là. Et on va pouvoir faire la petite pause où je répondrai aux questions.
Allez, c'est parti pour une petite pause de 5 minutes. Et après, on reprend pour 25 minutes de plus, avec donc deux personnages cette fois-ci, pour respectivement 10 et 15 minutes. Alors, on revient en arrière. Alors, ça c'est nouveau. J'entends pas la tondeuse. Bah, du coup, t'avais bien de la chance. Moi, je l'entendais à fond. Je pense que c'est parce que j'avais choisi de baisser le son de mon micro, justement. Ça, vous entendiez pas le son ou de la tondeuse. Alors ensuite, question d'oxygène. Comment tu fais tes choix pour tes designs quand tu utilises tes références comme ça? Est-ce que tu choisis de grossir des caractéristiques visibles, un peu à la caricature, ou alors tu explores un peu comme ça te vient? Bah en fait, je regarde la photo, mais d'abord j'essaye de juste me faire une impression de la personne. Est-ce que j'ai l'impression que cette personne enfin, qu'est-ce qui me saute aux yeux en fait quand je vois cette personne-là? Est-ce que c'est bah, du coup la barbe pour le premier? Est-ce que c'est la forme de la tête pour la seconde? Est-ce que c'est le fait que son visage était un peu tordu là, celui-ci, plus sa moustache? Enfin voilà, j'essaie de voir qu'est-ce qui me saute aux yeux vraiment. Et après, j'essaye de voir dans l'ordre, en gros, je regarde d'abord la forme de la tête. J'essaye de voir un petit peu où est-ce que je peux faire bouger en fait la forme de la tête. Où est-ce que je peux mettre l'endroit le plus épais? Où est-ce que je peux mettre l'endroit le plus fin? Et comment je peux faire vivre un petit peu tout ça. Et après, bah, je place les éléments. Bah, en général, je commence par les yeux. Et puis après, par l'élément qui va être le plus important. S'il y a une bouche qui est très importante, comme bah, sur la dernière là. Enfin, je vais d'abord faire les yeux. Positionner au moins les sourcils et les yeux. Et après, je vais passer à l'élément le plus important. Et après, bah, je vais raffiner au fur et à mesure. Mais globalement, là, ça c'est juste quand j'ai juste le temps de faire une première passe. Sinon, la plupart du temps, je fais une première passe comme ça. Et après, je fais une deuxième passe où je pousse un peu plus, puis après je design un peu plus, etc. etc. Là, j'ai pas encore fait beaucoup de design, là c'est surtout une sorte de soft caricature, quoi, c'est pas de la vraie caricature. J'essaie juste de capturer un petit peu les persos, mais c'est pas de la caricature totale. Parce que c'est pas forcément Berserk, enfin, c'est pas ça qui m'intéresse particulièrement en fait, c'est vraiment de capturer un perso. Et donc, du coup, bah, après je tâtonne en fait, en général, quand j'ai fait le premier jet là. Après, je vais accentuer un truc qui m'a vraiment bien plu, essayer de le schématiser, de le rendre plus géométrique. Et puis, bah, je vais refaire ça plusieurs fois. C'est ce que je vais faire là sur les 10 et 15 minutes. Je vais essayer de faire comme ça d'autres tests que le premier. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui a été dit? Donc, tu as travaillé sur la caricature, je présume, de Charles, effectivement. Oui, c'est, bah, y a quand même un peu de ça. Toujours sur cette histoire de garder une impression d'une personne et d'essayer de la retranscrire en accentuant les choses pour que la personne soit encore plus ressemblante presque qu'elle n'est que la personne en réalité. Juste que ça donne un personnage qui a l'air crédible en fait, qui a l'air d'être vraiment venu de quelque part et d'avoir une vraie personnalité, d'avoir un vrai. Donner une impression de réalité quoi. Ensuite, Capen qui nous dit de bons gros américains. Bah, après, ouais, il y a des physiques assez typiques, effectivement, de certains endroits des États-Unis, mais en même temps, des gars comme lui, là, je pense qu'on peut en trouver des en France, hein, il n'y a pas de souci, même cette fille-là, ou enfin voilà, je pense que n'importe lesquels, on peut les trouver, peut trouver des persos un peu similaires en France. Faut éviter d'avoir des stéréotypes trop marqués, se dire que tel type de personne n'existe qu'à tel endroit. En fait, c'est très très variable partout dans le monde en fait, les physiques. Après, c'est vrai que bah, y a dans la façon de s'habiller en fait, il y a des choses qui font typiquement américain. Par exemple, le fait d'avoir des chapeaux comme celui-ci, c'est quand même quelque chose qu'on va trouver plus souvent aux États-Unis. Bon, voilà, des trucs dans le style. Sinon, après, le reste est à peu près trouvable partout. Alors, on va bientôt repartir là. Je vois que c'est. On est à 50 secondes là. Hop. Après, on va repartir de plus belle. Donc, comme je disais, toutes les photos là viennent de Earth's World. Je suis pas sponsorisé par cette là, mais vu que j'utilise ces photos, j'en reparle plusieurs fois pour faire un peu la pub. C'est assez cool. Si vous voulez des personnages intéressants à designer. Ça c'est cool surtout parce qu'il y a pas mal de personnes âgées, pas mal de gens avec des barbes ou des moustaches de ouf. Et du coup c'est des designs qui sont assez cool, qu'on voit pas forcément beaucoup sur d'autres sites. Du coup voilà, c'est assez intéressant de voir des types de physiques vraiment très différents, quoi.
Moi, vu que j'aime beaucoup dessiner les personnes âgées et les personnes avec une pilosité particulière, bah du coup ça, je trouve ça assez cool comme site, enfin, comme Instagram. Je vais juste prendre le app This World justement, tac, et le laisser. Hop, pour ceux qui. Alors je vois que c'est pas tout à fait visible. Est-ce que c'est visible là? Ouais, c'est vrai. Oui, les photos sont très cool aussi, enfin en termes de juste de technique photo. Pour ceux qui veulent travailler aussi les visages et les ombres sur les visages, parce que la plupart du temps c'est des photos en plein soleil avec une ombre très découpée et tout ça, donc c'est assez cool. Alors, tac, on voit ça. Allez, c'est parti. Donc là, on a un profil. On avait quasiment que des trois quarts là sur les. Bon, on avait même que des trois quarts sur les premiers. Enfin, non, il y en a un qui était de face. Là, je voulais qu'il y ait au moins un profil. Et du coup, bah, on va pouvoir travailler plusieurs fois là, du coup. Et donc, je pense que l'objectif de Hearst, la celle qui fait les photos, c'est vraiment de documenter le type de personne qu'on trouve bah, dans son coin en fait aux États-Unis. Je crois qu'elle est dans le Kansas. Alors justement cette profusion de formes différentes, de visages et autres. Ouais, typiquement j'essaye première forme, là ce qui m'intéresse c'est beaucoup la forme de la bouche là qui est assez avec cette expression là. Il y a un peu de dégoût ou de je sais pas, une expression un peu. Ah, c'est intéressant, je trouve. Ouais, je pense que j'ai pas trop capté son regard. Donc, on va travailler dans la prochaine itération. Là, on a 10 minutes, hein, donc c'est un peu plus long tout à l'heure. On a un peu plus le temps de faire un design, un redesign. Pour le coup, pour des gens qui veulent faire du chara design typé animation, ouais, surtout ouais, typé animation, même BD, je pense que c'est un très bon exercice. Quelqu'un qui voudrait faire du perso de jeu vidéo, c'est un peu moins le cas, mais en tout cas pour du dessin animé ou de la BD, des médiums très narratifs, je pense que c'est assez cool pour trouver des types de visages. Pour des gens qui vont faire l'illustration de perso, par exemple, l'illustration de perso pour du jeu de société, du jeu de rôle ou quoi. Il y a des expressions faciales, je veux dire, des visages intéressants. Alors, je vais tester complètement autre chose là. Il y a un grand front en fait, je vais voir si, ce que ça donne si je l'exagère.
Donc là, ça ne ressemble plus du tout, mais comme je disais, c'est pas forcément l'objectif. Hein. Même si je pense qu'on n'a plus tout à fait le feeling non plus. Donc, tous les tests sont pas faits pour être forcément réussis. C'est le genre d'exo qui est intéressant à faire en live aussi. Là, je suis complètement sur une stylisation beaucoup plus extrême là. Il essaie de pousser vraiment au fur et à mesure. Hein.
pourquoi on est reparti sur lui. Normalement, il devrait y avoir une autre photo. Alors, je vais vous la sortir quand même. On va mettre un autre timer du coup. Normalement, j'avais cette photo. Pourquoi il est pas, il s'est pas affiché lui? Alors. Atelier, aujourd'hui. Là, il y avait elle là, pourquoi elle s'est pas affichée? Hop, là, je vais mettre un minuteur en plus. Hop, alors faut que j'affiche la photo. J'arrive. Voilà, je sais pas trop pourquoi. Hop, elle s'était pas affichée. Alors on va redimensionner ça. Tac. Du coup, je vais réduire un petit peu le temps. On va partir sur 10 minutes plutôt. Où est mon minuteur? Toc. Tant que je lance tout ça. Désolé pour ce bug. Je sais pas trop d'où ça peut venir. Très étrange. Allez, on est parti pour 10 minutes. Ouais, ce qui est intéressant avec ces photos-là aussi, c'est que vraiment, c'est des types de modèles qu'on peut avoir du mal à trouver, en photo en tout cas. Encore une fois, il suffit d'aller dessiner dans la rue, dessiner dans des bars, dessiner différents endroits pour trouver des physiques qui vont être assez intéressants. Mais c'est des gens qui vont bouger et tout ça. Donc ça a ses avantages du coup, puisque bah, le fait de voir bouger les gens, ça apprend pas mal de choses sur. Sur la gestuelle, sur
même sur l'anatomie potentiellement, enfin sur la manière dont les membres peuvent se mouvoir. Mais par contre, ben on a un peu moins le temps pour designer. Par contre, on est obligé de rester sur une impression, et ça, c'est très cool aussi. Vraiment, je conseille à tous, pareil, tous ceux qui veulent faire du dessin de personnages pour le cinéma d'animation, pour la BD, pour tous les médiums narratifs, comme ça, même pour l'illustration, qui serait par exemple de l'illustration éditoriale. Tac. Des gens qui voudraient être publiés dans des magazines ou des trucs comme ça. Si les personnages, ça fait partie des choses que vous voulez vraiment travailler, bah vraiment, dessiner des gens dans la rue, c'est peut-être le meilleur exercice qu'on puisse faire en fait. Parce qu'on va être vraiment confronté à tout un tas de physiques différents, à des difficultés particulières. Parce que ça nous oblige à rester sur une impression que c'est entre du dessin d'imagination et du dessin d'observation, c'est un peu de mémoire, quoi. C'est pas tout à fait que. Que de l'imagination ou que de l'observation. Ça fait bien le lien entre les deux, en fait. Et puis, si vous trouvez quelques personnes pour faire ça avec vous, des potes de dessin, bah du coup ça peut vraiment être assez fun en plus de faire d'aller faire ça. Un truc que je voulais monter à un moment, un groupe de croquis comme ça. Hop. Ça reste toujours dans mes cartons, dans les trucs que j'ai pas encore fait mais que j'aimerais bien faire à un moment. Pareil pour Drink and Draw. J'aimerais bien organiser ça parce que je connais pas trop de ce genre d'initiative à Rennes pour le coup. S'il y a des gens à Rennes d'ailleurs qui sont chauds pour aller dessiner, pour aller faire des drink and draw, donc l'idée c'est d'aller dans un bar et puis un soir et puis d'aller boire des coups, discuter et dessiner en même temps. Hop. Eh bah carrément Charles, faudrait qu'on s'organise ça. Ouais bah là du coup on va pas me déplacer jusqu'à Strasbourg, mais du coup faut monter ça. Hop. Ah, du coup là il y a un truc dans son expression que j'arrive pas à capter, à la fois les sourcils froncés mais en même temps il y a un côté un peu triste dans son regard. Évident, c'est pas mal la forme de l'œil qui va jouer là-dessus. Ah bah après, ouais, ceux qui ont inventé le drink and draw, ils y allaient peut-être plus pour le drink que pour le draw, je sais pas. Mais on peut toujours faire du draw and drink, effectivement. Puis après, ça peut être du drink soft. Ça dépend complètement des envies de chacun, encore une fois, chacun va y chercher ce qu'il veut. Qui seront sûrement là plus pour le drink, d'autres qui seront là plus pour le draw.
Ah oui, il y a ça. Ça tourne plutôt comme ça, en fait. Pas évident ce visage. Parce que bah, c'est des types de visages qu'on n'a pas du tout l'habitude d'observer en fait. J'ai l'impression que le minuteur s'est arrêté. Ah non. Reste 1 minute. Ouais, et ben j'ai bien. C'est pas plus mal qu'il soit tombé en dernier celui-là parce qu'il est vraiment pas évident. Le fait d'avoir un peu plus de temps, c'est pas plus mal. Ouais, je décide de faire juste un lacet, ça sonne. Tac. Je fais juste un dernier petit test là. Tac. Et après chacun. Enfin là du coup vous pouvez déjà poster sur Discord. Ouais, non, ça donne pas grand chose. Tac. Teste en partant d'ailleurs un peu d'ailleurs, trouver une autre forme et tout ça. Hop. Pas trop convaincant. Ok. Alors, tac. On va poster tout ça. Atelier, tututup. Alors on est le combien là? On est le 29. Alors 22, 11, 29. Bim. Voilà. On va poster la deuxième. Tac. Alors, pour le Discord, je peux vous remettre le lien. Pour ceux qui seraient pas encore dessus. Tac. On va revirer la photo. Et je vais ouvrir Discord pour voir un petit peu les participations de chacun. Tac. Avec ce petit. Petit exercice de design là, donc ça c'est vraiment un truc que vous pouvez faire enfin n'importe quoi en fait quand vous par exemple quand vous regardez la télé plus, enfin, ou un film si vous n'êtes pas particulièrement dans le film donc c'est un film que vous avez déjà vu bah, vous pouvez vous permettre de dessiner un peu les gens c'est plutôt cool si c'est la première fois que vous voyez le film et qu'il est cool bah regardez c'était dedans hein, évidemment laissez-vous porter par le film mais souvent bah, on se retrouve à regarder les trucs un peu par défaut ou même ça peut être un truc si vous avez envie d'écouter un
je sais pas, un streamer ou une vidéo sur YouTube ou un truc comme ça, ben, pour rendre ça en plus assez productif, ben, vous pouvez dessiner les gens en direct, quoi. Ça, vous écoutez ce qu'ils disent, et puis en même temps, ben, vous les dessinez. Vous n'aurez pas toujours le temps de les voir précisément. Mais ça va, c'est toujours pareil pour capter un petit peu cette expressivité, capter bah, la manière dont le visage est un peu fait et tout ça. Capturer le feeling de la personne, ça marche assez bien. Donc si vous voulez poster ça, donc c'est dans Défi et Atelier, sur le Discord. Il y a déjà pas mal de gens qui postent là, je vois. Hop. Et pim. Ça envoie, oui, il y a pas mal de participation, c'est cool. Alors, on va voir ça de ce pas. Alors, je vais fermer Clipsio Paint. On va enregistrer ça. Hop, voilà. N'hésitez pas à poser vos questions aussi, hein, encore une fois. Pas de soucis pour répondre à ce que vous voulez. Alors oui, on voit Texpolic qui disait donc j'ai loupé les deux premiers, le tel a sonné. Ah, ok. Ok. Et eh bien c'est assez cool. Alors je vais reprendre les photos sur le coin là, histoire d'avoir les refs. Globalement, plutôt du bon boulot. Après, j'ai l'impression qu'il y a il y a la structure en fait qui t'a pas mal. Le fait d'avoir un visage très structuré qui t'a peut-être bloqué un peu en termes de design. Pas voulu trop pousser les formes. Je pense qu'il y avait moyen de pousser plus que ça. Et puis, en fait, là, si on regarde, si on compare par rapport aux photos, donc, par exemple, elle, tac, t'as voulu lui redonner une structure de visage assez. Tuc. Assez standard en fait, un visage assez du coup qui est devenu assez mince en fait en comparaison avec la fille originale. Donc c'est pour ça que je disais, je commence souvent par la forme globale du visage en fait. J'essaie de styliser déjà la forme du visage parce qu'à partir du moment où la forme du visage est déjà un peu stylisée, un peu cartoonifiée, c'est plus facile de mettre des traits qui vont être un peu plus cartoon à l'intérieur. Alors après là j'ai utilisé un stylo très très fin. Un autre exercice ça peut être d'utiliser juste volontairement un stylo assez épais. Pour être obligé d'être un petit peu plus agressif dans le changement des formes, dans la variation des formes, parce qu'on peut pas aller aussi fin dans le détail. Là, je voulais personnellement aller vers quelque chose d'assez, bah ouais, qui permette le détail justement, et voir justement comment j'allais m'en tirer avec cet outil-là. C'est pas, j'utilise des choses un petit peu plus grosses en général, en tout cas en numérique. Donc je voulais tester ça. Et vraiment, l'épaisseur de votre outil, c'est assez important. Enfin, tout est assez important en fait. L'état d'esprit dans lequel vous êtes, tout ça fonctionne. Et ça a une certaine importance. Alors, du coup, là, oui, il y a d'autres trucs aussi dans les choses qui font que la personne se ressemble pas vraiment. C'est par exemple que là, tu as mis un trait dur ici en fait. Et ça veut dire cet angle-là est dur, comme un peu sur un cube en fait. Hop, on va dessiner les arêtes. Et pourquoi on dessine les arêtes? Parce que là, c'est un changement d'angle assez radical. Mais par contre, sur une sphère, on va pas faire toutes les arêtes. Sur des matières douces, en fait, on va pas faire d'arêtes. Et là, en fait, c'était plutôt doux. Et du coup, bah, là, tu l'as un peu. Tu lui as donné une mâchoire bien tranchée, en fait. Alors qu'en fait, c'est juste l'ombre qu'il y a là. Donc ça peut marcher si tu places l'ombre. Mais là, il y a pas. En fait, la mâchoire, c'est quand même relativement doux, la transition. On voit là sur le côté, en fait. Entre le menton et le cou, il y a une transition douce qui se passe. Là, c'est juste qu'il y a une ombre, en fait. C'est vraiment juste le Terminator qui arrive là. Qui peut donner effectivement cette impression tranchée. Mais si tu regardes ici, là, dans l'ombre, bah, en fait, tu perds cette précision. Donc, si tu voulais faire l'ombre, en fait, il aurait fallu faire plutôt un truc comme ça. Hop, et virer ça, par contre. Parce que là, il n'y a pas vraiment de truc. Pas vraiment de mâchoire tranchée en fait. Donc tu peux, on peut faire ça en fait. On peut en dessin, on peut de toute façon faire un peu ce qu'on veut. Hein. Mais là, c'était une possibilité en fait de dessiner en partant de ça. Par contre, il fallait peut-être garder. Là, on voit, là, il y a une pente là. Là, tu l'as renforcé l'arcade sourcilière. Encore une fois, là, je pense que tu es reparti sur des structures relativement automatiques au lieu d'observer vraiment comment étaient les gens en fait. Mais c'est voilà, c'est aussi une des difficultés de l'exercice. Hein.
Alors juste, je vois qu'il y a une question, enfin, il y a un commentaire. Shin PM, c'était vraiment cool comme exercice. J'ai un souci à faire des personnages et des visages trop identiques. Là, ça me force à faire à exagérer d'autres formes. Bah oui, c'est pour ça aussi vraiment que là, les physiques très différents qu'on a là-dessus, avec Earthsea World, ça permet vraiment d'aller creuser des formes qu'on va pas voir habituellement en fait. Parce que si on regarde dans les magazines, si on regarde chez des acteurs et des actrices, la plupart du temps, on va avoir des physiques assez similaires. Un peu moins chez les acteurs et actrices, ou en tout cas si on les prend pas tout le temps jeunes. On va pouvoir trouver plein de types de physiques différents. Mais sinon, la plupart du temps, bah, dans tout le reste de l'imagerie qu'on voit en fait en règle générale, on va tout le temps voir des gens qui ont des physiques relativement similaires. Alors que dans la réalité, il y a des physiques incroyables en fait. Enfin, si vous prenez le bus ou les transports en commun, quels qu'ils soient, vous allez voir des tas de gens avec des tas de physiques super différents. Et du coup, bah, faut s'inspirer de tout ça. Ok, donc là on a Umaguma. Alors je vais. Hop, je reviens dessus rapidement. Donc là, on sent que le temps a été un peu un problème en fait. On sent que là, il y a eu un petit peu de speed. Une des façons de faire pour gérer un peu mieux le temps, c'est de prendre des décisions assez rapidement et de se dire, bah, tant pis si c'est pas la bonne décision. Là, surtout pour ce genre d'exercice en fait, où on va designer les personnages. Ça peut être bien de prendre des décisions très rapides et de s'y coller directement et voir du coup les conséquences de nos décisions. C'est aussi comme ça qu'on apprend en fait. C'est en prenant des décisions, faisant des erreurs potentiellement et en les corrigeant. Et là, je pense qu'on se rend mieux compte aussi de ce qui marche et ce qui marche pas quand on a fait le visage en entier. En fait, là, à chaque fois en 5 minutes, on peut avoir le temps de le faire 2-3 fois le personnage. Là, avec une brosse très fine, c'est un peu plus compliqué, mais avec une brosse un peu plus épaisse, on peut faire des visages en 1 minute en fait. Donc on peut vraiment aller vite là-dessus. Et du coup, bah, là, il y a des choses qui sont encore un peu timides en fait pour l'instant, mais voilà, il y a des trucs intéressants, mais je pense qu'il y avait moyen d'aller plus vite à l'essentiel. Et du coup, d'avoir le temps de finir un peu plus les visages. Et là, ouais, ça manque un peu de finition, de les pousser un petit peu plus, quoi, globalement. Là, par exemple, la forme des yeux, il y a trop de traits, il y a trop de détails là-dedans en fait. Faut couper un peu dedans en fait, pour aller un peu plus vite. Et puis après, on peut raffiner en fait. Dans un deuxième temps, on va raffiner. Mais dans un premier temps, on jette le truc et on donne les grandes intentions. Par exemple, si je reprends cette histoire des yeux là, toc, ça c'est un œil, ça c'est un œil, hop, ça c'est un œil. Enfin voilà, tout ces... et là il y a à chaque fois une décision de design qui est faite en fait. Là, je veux avoir un œil tombant, là, je veux avoir un œil qui est un peu plus rieur, là, je veux avoir un œil plus standard. Je peux avoir un œil comme ça, tac. Je peux avoir un œil qui va être un peu globuleux peut-être, tac. Mais tout ça, c'est à chaque fois, on prend une décision assez rapidement et on s'y tient après. Alors, je regarde avant s'il y a d'autres gens qui sont des abonnés. Alors après, là, on a des mentorés ou anciens mentorés, tac. Hop, ouais, bah, je vais essayer de passer rapidement. Bah, je vais peut-être partir par la fin du coup, parce que la graphe est. Bah, enfin, on verra après. Et on s'est montré du coup. Je reviens juste dessus rapidement. Alors, du coup, là, c'est plutôt du bon boulot. Après, il y a des petits plis en plus, je trouve, ce qui est intéressant avec son visage à elle. Là, on est plutôt sur quelque chose de relativement observé, plutôt plus réaliste. On est un peu moins dans la stylisation, mais l'observation est plutôt juste pour le coup. Je pense que sur elle, ça fonctionne assez bien. Lui, un petit peu moins, et elle, un petit peu moins aussi. Je pense que là, il y a eu une rectification de sa forme de visage. Son visage était assez allongé, en fait. Et du coup, là, elle était un peu rectifiée. Tac. Si on voit, là, en fait, son visage est allongé. Puis elle a un peu plus de menton que ce qui a été donné, ce qui a été mis ici. Tac. Donc là, il y a un petit truc qui a été un peu déformé. Mais sinon, le reste, c'est plutôt cool, globalement. Même le trait est intéressant. Il est assez vivant, il est assez dynamique. Donc, ça marche assez bien. Tac. Alors, je vais pas revenir sur mon boulot à moi. J'en ai parlé déjà suffisamment. Alors, l'enfou, on a dit un truc intéressant là sur la vieille. Là, pour le coup, il y a des tests de design. Il y a des trucs qui marchent pas trop mal après. Sur la structure, je pense qu'on perd un petit peu en structure de tête sur la première là. En particulier, la forme de son crâne et ce qui entoure les yeux là. C'est pas forcément. Il peut pas vraiment y avoir un squelette solide
en dessous. Mais après, en termes de design, c'est intéressant. Peut-être qu'il y a trop de. Il y a des formes peut-être un peu trop régulières. Ça, c'est un des. Pour la façon dont je gère mes formes aussi, c'est un des trucs que j'essaie d'éviter au maximum, en fait, le fait d'avoir ce genre d'escalier là, en fait. Là, on disparaît, on a encore cette forme-là qui va être à peu près de la même taille. Toc. Enfin, là, si on prend cette masse-là, ça va être un peu la même que celle-ci. Enfin, là, on a tout un masque comme ça, là, qui va être un peu trop régulier. Je pense qu'il faut réussir à casser un peu cette régularité pour avoir des formes un peu plus dynamiques, un peu plus vivantes. Mais sinon, il y a des trucs globalement assez intéressants dans les formes. Là, celle-ci, je pense que c'est pareil. Là, tous les éléments, je pense, ont été designés un peu trop indépendamment les uns des autres. Il n'y avait pas de structure de base. Truc. Là, on a pas vraiment une continuité en fait entre les différentes formes. C'est ce qui va, il, ça, il va se passer ça la plupart du temps dans un visage de profil. Il va y avoir une continuité en fait entre la base du nez ici, truc, la base du nez là, et après le menton là. Donc on peut imaginer que c'est comme ça un peu, truc. Ça peut être une façon de faire, mais dans ce cas, le nez devrait aller plus loin en fait. Et après on revient là et après on retourne, effectivement. Donc, mais c'est pas mal de noter vraiment cette ligne de profil là. Donc, et après de faire rentrer les yeux un peu à l'intérieur. Ouais, il y a sûrement des choses un peu à revoir. Donc. Mais il y avait quand même quelque chose d'intéressant. Hop, la fanette qui est aussi une ancienne mentorée du coup. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le mentorat là, va bientôt ouvrir les places pour janvier-février. Si vous voulez un cadeau de Noël intéressant, par exemple, bon, c'est un gros cadeau de Noël quand même, hein, mais ça peut être quelque chose d'intéressant à demander ou à offrir. Alors là, je vais juste ouvrir l'original juste parce que sinon, ça va être c'est un peu trop petit. Là dans la miniature. J'espère que ça va pas trop faire laguer la connexion, parce que là du coup je suis obligé d'ouvrir Firefox. Hop. Donc là bah, c'est une observation, pareil relativement cool. C'est globalement réussi en termes d'observation pure. Je pense que les formes peuvent être un peu plus poussées encore pour faire du design, mais on a globalement un truc qui marche assez bien. Peut-être que là sur celle-ci, la personnalité est vraiment bien réussie. Là, on a une bonne personnalité qui marche bien. Sur les autres, c'est un petit peu moins le cas. Peut-être elle, on commence à ressentir un petit peu la sorte de morgue qu'elle a là. Mais c'est surtout elle là qui a une personnalité qui marche bien. Là, les autres, c'est un petit peu plus diffus en fait. On a toujours une certaine douceur. Certaine douceur dans le regard, une certaine douceur dans les expressions et tout ça. Mais on n'est pas encore dans un design qui va être suffisamment expressif, à mon avis. Je pense qu'on peut pousser plus loin que ça, en fait, l'expressivité. Hop. Tac. On a Umaguma. Tac, qui aide là pour les défis. En ce moment. Et qui s'en sort très très bien pour les défis, d'ailleurs. Qui est en tête, actuellement, des défis de la semaine. J'en profite pour saluer son boulot, parce que c'est vraiment, vraiment très cool, là, ce qui a été fait. Dans les semaines passées. Salut Palido, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Content de te voir passer par là. T'as fait l'exercice aujourd'hui ou pas trop? Donc là pour c'était qui ça? C'était Magoma, ouais. Du coup c'est les deux derniers. On a déjà vu les premiers là tout à l'heure. Là bah du coup c'est la structure qui va manquer un peu en fait. Les traits sont assez marrants, ils sont assez souples, c'est assez un peu tortueux et ça peut marcher assez bien en fait. C'est juste que là pour l'instant je trouve ça un peu hésitant et il manque un peu la structure en dessous. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le boulot de Landfou. C'est pas mal de commencer par quelque chose d'un peu plus structuré, quitte après à aller par-dessus, donc genre avoir une structure, se dire bah là mon visage il va être un peu carré ou je sais pas quoi, on va avoir les proportions à tel et tel endroit, bidule.
quitte après à revenir avec un trait plus mou ou des choses un peu plus tortueuses et tout ça. Après, ça peut être intéressant d'avoir des formes qui soient pas tout à fait régulières. C'est un truc que je vois beaucoup de faire plutôt des S comme ça, plutôt que de faire potentiellement par exemple des S comme ça, qui sont un peu plus dynamiques, où on va avoir un côté plus fort que l'autre, ou même dans les courbes, plutôt que de faire ça, faire plutôt ça, ou ça, où on va avoir des directions qui vont être données un peu plus fortement, avec avec tout ça. Et c'est vrai que ça peut coller à ce type de personne. Un truc que je faisais aussi pendant un moment, donc avec une brosse plus épaisse, c'est de... Alors je vais devoir augmenter à la main la taille de la brosse, comment on fait déjà? C'est ici. Donc. De faire des traits comme ça en fait. Ça marche assez bien pour dessiner des personnes un peu âgées. Avec potentiellement de temps en temps des lignes qui se coupent un peu et tout ça. Ça donne un côté assez vivant à la ligne qui marche assez bien en général. Encore une fois, c'est plus pour marche plus facilement pour des personnes âgées. Parce que ça montre, ça souligne un petit peu, ou ça suggère plutôt des sortes de rides et tout ça là. Donc ça marche assez bien, c'est cool. Donc là ouais, je pense qu'il faudrait structurer juste un petit poil plus et après partir un peu plus en freestyle par-dessus, effectivement. Tac. Donc là on a un thème qui a fait quelque chose de beaucoup plus lâché, beaucoup plus graphique. Et ça, je trouve que ça fonctionne assez bien. On peut faire des trucs assez graphiques comme ça. Mais j'ai toujours une difficulté avec le fait de ne pas fermer ces lignes. On peut ne pas fermer ces lignes, et à ça, il n'y a pas de souci. Après, c'est assez difficile de faire ça correctement si on le fait trop souvent, en fait. Parce qu'on peut avoir tendance à louper des informations importantes quand on ne ferme pas ces lignes. En particulier, qu'est-ce qui passe devant, qu'est-ce qui passe derrière. Alors, je vais revenir là quand je pourrais corriger l'erreur que je viens de faire, la quête d'ouvrir CryptoPen. C'est un truc que je fais tout le temps, en fait. C'est un petit peu une sorte d'automatisme pour moi. Je veux dessiner, j'ouvre CryptoPen. Alors que pourtant, l'objectif, c'est surtout de. Enfin, là, je peux dessiner aussi là-dessus, en fait. Voilà. Donc là, ouais, il y a des problèmes sur les lignes pas fermées, par exemple sur celle-ci là. Parce qu'on a une indécision sur qu'est-ce qui passe devant, qu'est-ce qui passe derrière. Il vaut mieux avoir une ligne bien pleine ici et qui s'ouvre là, par exemple. Là, c'est pas grave si ça s'ouvre. Parce que là, on peut considérer que c'est dans la lumière, ça prend la lumière et tout ça. Le fait de ne pas fermer aux extrémités, ça peut être un peu bizarre aussi, parce qu'il y a un changement de direction. Sauf que bah, ça peut être un peu ambigu sur où est le changement de direction. Si c'est quelque chose qui passe derrière, là ici, il n'y a pas de problème avec les ouvertures ici. Parce que c'est la forme qui est derrière qui s'arrête avant en fait. Quand on superpose deux formes, on peut avoir la celle du dessous qui ne va pas toucher la forme là. On laisse un petit espace comme ça respirer. Ça marche. Mais il ne faut pas les mettre n'importe où en fait, tous les endroits où on ouvre les formes. Pareil pour ici, là ça crée une ambiguïté. En fait, là on a une ligne, deux lignes, trois lignes, quatre lignes qui vont se rejoindre dans un vide. Et du coup, on ne sait pas laquelle passe devant et laquelle passe derrière. Ça crée encore une fois de l'ambiguïté. Vaut mieux que cette ligne-là passe clairement devant, quitte à ce que celle-ci derrière, elle soit ouverte en fait. Ça, il n'y a pas de souci. Après, sinon, bah, dans le design, dans la manière dont c'est balancé de manière assez franche comme ça fonctionne assez bien. Je pense qu'il y a des choses qui auraient pu être un peu plus décisives. Justement, là, on est sur un style avec assez peu de détails. Et on peut se permettre du coup d'avoir des formes qui vont être très simplifiées en fait. Par exemple sur lui là, on pourrait choisir d'avoir un truc où on a sa forme comme ça, plume de moustache, qui soit très très assumée en fait. Là on a une forme, poum, qui est nette. Ça c'est une forme nette, c'est une forme qui est assez simple en fait. Ce qu'il y avait à la base, hop, on va le reprendre, ça là, c'est une forme un peu plus complexe et qui n'est pas tout à fait fermée, pas tout à fait finie. Je trouve que voilà, mais ça mériterait d'avoir des formes plus simples aussi. C'est pareil, ce truc-là, là, je trouve que c'est un peu complexe par rapport à au style global qui a été donné. Donc là, on fait juste une ou deux vagues comme ça, peut-être un pli ici, un pli là, puis voilà, poum, on a indiqué la manière dont ce tissu fonctionne. Donc voilà, là, on est un peu trop entre les deux, en fait, entre quelque chose de très graphique et quelque chose qui devient un peu complexe. À mon avis, il faut choisir d'aller soit vers plus graphique,
soit d'être un peu plus vers quelque chose de fin. Et je pense que là, dans le style, on était bien parti pour être vers quelque chose de plus graphique. Par exemple, ce genre de détails de poils, ou là, le fait de rajouter les petits détails ici, ou ça, là, bah, c'est pas quelque chose qu'on retrouverait dans un Tintin, par exemple, ou dans quelque chose qui va être très simple comme ça, ou dans un cartoon qu'on va trouver dans une série animée, par exemple. On va avoir que des trucs beaucoup plus simples et beaucoup plus graphiques, beaucoup plus péchu que ça. Par exemple, lui, on pourrait avoir un truc du genre comme ça. Chut. Hop. On peut avoir un détail un peu comme ça, là, à l'intérieur, qui est bien assumé, en fait. Vous voyez, c'est des lignes qui sont assumées. Et après, poum, peut-être avoir un truc qui s'évase carrément comme ça, en fait. Ça peut être un truc assez marrant qui se passe. Après, ça se trouve, ça se finit de manière plus ronde, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, on peut avoir quelque chose de plus assumé comme ça. On va même choisir de suivre la même logique tout du long, là. Ça peut être intéressant aussi. Et alors souvent ça peut se faire que dans une deuxième phase en fait, c'est un peu plus facile à faire dans une deuxième phase. Le premier, quand on est un peu pressé par le temps, c'est un peu moins facile de le sortir. Mais voilà, on pourrait aller vers des trucs un peu plus comme ça. Voilà, bon, au final je pense que je suis revenu sur à peu près tout le monde. Il y a Shin là que j'ai pas encore vu. Ouais. Tac. Du coup, ouais, c'est assez cool. Là, du coup, c'est la technique, l'outil est un petit peu le même que le mien. Après, là, il y a eu des coups de brosse un peu plus épaisses et puis un peu des ombres qui ont été posées. Mais je vois bien l'idée. Là, la contre-plongée passe pas très très bien avec la fille là. Je pense que c'est important quand même de montrer l'angle de vue. Et lui, il a son chapeau et vraiment très très au-dessus de sa tête. Donc ça marche un peu moins bien. Après, il y a des idées intéressantes dans les designs. Je pense que ça aurait pu être poussé encore plus loin aussi. Encore une fois, ce que vous pouvez faire, c'est de reprendre les mêmes et d'essayer de les pousser dans une deuxième phase. Vous pouvez faire aussi des trucs comme ça en 5 minutes d'abord pour vous familiariser avec le visage, et 5 minutes avec le même personnage pour le designer un peu plus, quoi. Pousser vraiment la forme. Et vous pouvez même le refaire une troisième fois pour le repousser encore plus. Donc voilà, ça peut être des exercices intéressants. Alors, je vois qu'il y a eu pas mal de messages là depuis. Alors, je regarde juste si dans Session Collective il n'y a pas quelqu'un qui a posté. Parce que ça, je sais que c'est une erreur qui peut être faite. Non, là pour le coup, c'est pas. C'est pas ça, c'est sur le défi qui avait été posé il y a un bon moment maintenant. Au début du mois, là. Même avant encore, je crois. Ah bah, il y a Lux qui a posté encore en plus. Tac. Mais pour le coup, c'est assez réussi. Je suis pas sûr des proportions globales des visages. Il y a des choses qui correspondent pas tout à fait à ce qu'étaient les personnes. Comme par exemple elle qui était quand même pas mal en menton, et lui qui était plutôt pas mal en crâne. C'est une des difficultés qu'il peut y avoir aussi quand on stylise, c'est de vouloir tout exagérer en fait. Là du coup, il a un gros crâne plus un gros menton, ce qui fait que bah, aucun des deux est vraiment grand. C'est le menton qui gagne, parce qu'en comparaison, c'est lui qui est le plus grand. Mais d'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai fait en fait sur mon dessin. Au fur et à mesure, j'ai réduit son menton. Hop. Alors, je sais pas pourquoi j'ai rouvert Clip Studio pour ça. Hop. Je vais le refermer juste après. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions maintenant. C'est maintenant ou jamais, parce qu'après, je vais plus avoir le. Enfin, je vais couper après. Donc, le temps que mon message vous parvienne et qu'après je ferme. Du coup, voilà, faut poser vos questions maintenant. Sinon, après, ce sera trop tard. On va attendre dans 2 semaines. Donc oui, je disais, j'ai diminué son menton au fur et à mesure, lui. Au début, je lui avais fait un menton beaucoup plus grand que ça. Mais ça rentre un peu trop en compétition avec son front. Et d'ailleurs, je pense que là, je suis encore un peu trop en compétition avec son front. Et je pense qu'il faudrait augmenter peut-être un peu encore sa tête. Ou diminuer un peu son menton, en gros. Mais en fait, il faut essayer de voir qu'est-ce qui est le plus important. Et bah, mettre vraiment l'emphase là-dessus, quoi. C'est pareil, il y a vraiment le bas de son visage qui prenait beaucoup plus de place que le haut de son visage. Il fallait vraiment insister là-dessus, à mon avis. On peut utiliser n'importe quel style, mais après, il faut pas trop se tromper sur le ratio entre le front, le nez, la bouche et le menton, en fait. Parce que tout ça, c'est des éléments qui vont donner les grandes proportions de la personne et qui vont faire que c'est vraiment ce type de personne-là ou pas, en fait. Sinon, on s'éloigne un peu trop de la personne. Alors, la fenêtre, merci pour le retour. Oui, 5 minutes, j'arrive pas à faire grand-chose, ok. Mais du coup, c'est vraiment une question de personnalité, en fait. Il faut réussir à trouver de la personnalité au perso. C'est ça qui va être assez important. Donc, capter leur expression et leur type de personnage que ça va être.
Alors pas Hydro, pas du tout, donc t'as pas du tout fait l'exo, je suis au boulot, j'ai vu ton stream par hasard sur YouTube, alors je viens faire un coucou, ok bah c'est cool. Toujours content de pouvoir passer par là. ShinPM pour Noël, je compte demander un abonnement, c'est plus dans les moyens que le montant. Ah ouais, bah oui, c'est sûr que c'est un peu moins cher pour le coup. Et pour le coup, il va y avoir, c'est pareil, il va y avoir des changements pour les abonnements à partir de janvier. Je vous conseille de vous abonner avant janvier si vous êtes intéressé par les cours que je propose, parce que bah, il va y avoir une petite augmentation de tarifs, mais surtout il va y avoir du contenu supplémentaire qui va être rajouté, en particulier des exercices live, des trucs comme ça, qui sera compris dans l'abonnement. Et si vous vous abonnez avant janvier, bah, du coup ça restera au tarif actuel avant l'augmentation, quoi. Voilà. Anthem, merci pour les corrections, bah de rien, ça fait toujours plaisir. C'était cool d'avoir pas mal de monde là aujourd'hui. C'est assez fluctuant suivant les semaines, suivant les sujets aussi, je pense. Là, les visages, je pense que ça parle à pas mal de monde. Donc c'est assez intéressant. Et globalement, d'ailleurs, c'est un truc sur lequel je vais essayer de concentrer l'artiste autodidacte l'année prochaine, du moins. Vous verrez si ça vous. Si. Je verrai pour l'année d'après, en fait, je réévalue un petit peu tous les ans, suivant les besoins, les demandes. Globalement, je vais vraiment axer sur trois axes de développement pour l'année prochaine. Ça va être donc les bases du dessin, donc finir le bloc apprentissage du dessin pour être sûr de donner des bases solides. Dessin, donc peinture, rendu et tout ça, et je vais vraiment pousser la peinture vers une peinture un peu stylisée, en fait. Pour l'instant, là, j'étais vraiment dans une peinture qui reprend des principes fondamentaux de base, mais sur un rendu relativement réaliste et qui voilà, va pas forcément toujours dans ce que je fais. Donc, je vais aller vers quelque chose d'un peu plus stylisé. Pareil pour le dessin, je vais essayer d'aller vers du dessin un peu plus stylisé. Et chara-design, parce que c'est quand même mon fond de commerce à la base. Donc je veux insister là-dessus. Caractère design, caractère illustration et tout ça, quoi. Donc, c'est vraiment les trois pans que je vais développer là dans l'année prochaine. Donc, c'est des choses qui sont déjà présentes sur le site, hein. Mais je vais pas trop. Je vais essayer de vraiment me concentrer dessus pour donner des fondamentaux importants sur tout ça et bien solidifier tout ça pour l'année prochaine. Donc, là, j'ai commencé déjà à retaper des cours et vous verrez ça dès janvier. En fait, dès janvier, il y aura une bonne série de cours qui va apparaître, qui va sortir. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de dernière question, je pense qu'on va pouvoir clôturer là pour aujourd'hui. On reparlera de tout ce que j'ai dit là, hein, sur l'artiste autodidacte dans les semaines et mois à venir. Attendez, tenez-vous prêt pour les inscriptions en mentorat pour janvier-février si vous êtes intéressé. On se retrouve dans 2 semaines, donc la semaine prochaine pour une vidéo du mardi sur la chaîne YouTube, et dans 2 semaines pour un nouvel atelier, et on fera du dessin pur cette fois-ci. Donc je sais pas encore quel sera le sujet, sûrement quelque chose autour du volume, en tout cas. Donc voilà. Dessinez bien d'ici à ce qu'on se retrouve, peignez bien si vous êtes plutôt peintre, et puis on se retrouve bientôt pour un peu plus de dessin. Ciao, ciao!